T'es en hyper galère à gérer ton G920. Ah, N2, il a besoin de toi. Bah, t'as mis la même chose, toi, en gros. Alors, attends, Nicolas, on va t'aider de suite. Franchement, grosso merdo, c'est exactement la même chose, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, n'hésite pas à faire des petits clips des trucs que je vais te montrer. Et je vais te montrer hors PC après. Enfin, ce qu'il faut faire en dehors avant que tu lances le jeu. Je te montre les settings in-game tant qu'on y est. Alors, première chose que tu vas faire, toi, tu vas ouvrir ton profiler avec le 920. Tu vas mettre tes forces. T'es quoi, toi? Du coup, t'es à 100%, c'est tout. Et après, ton angle de braquage, toi, tu l'as mis à 700. Après, ça, c'est perso. Moi, j'ai un angle de braquage qui est fixe pour toutes les voitures. Après, si tu veux que ça s'adapte à chaque véhicule, tu le mets sur 900 degrés et on verra le reste après. Une fois que tu as mis ton angle de braquage, clic droit ici sur ton volant, tu fais calibrer l'appareil. Tu calibres, tu mets à fond à droite, il dit 90 degrés, mais tu mets à fond à droite, à fond à gauche, tu règles ton angle de volant comme tu as mis dans ton logiciel. Ça, c'est important. Une fois que tu as fait ça, hop, ça, c'est à peu près les forces qu'il va falloir. Linéarité, tu as mis pareil aussi, hein. Pour éviter d'avoir un truc trop linéaire pour pouvoir ressentir quoi. Moi? Pierre Factor est fini sur Racing. Ouais, je te comprends. Je jouais à Ray 07 et Air Factor il y a 10 ans et déjà c'était pas pareil. Mais je t'avoue, entre Dirt 1 et Dirt 2, déjà c'est pas du tout pareil moi au niveau des réglages en fait. Enfin, en tout cas sur le truc Logitech. Oui, toi, tes linéarités t'as laissé pareil. Hein. Bon après ça c'est perso, les trucs du bas normalement ça tu touches pas, 0, 100, 0, 100. Moi après j'ai mis l'embrayage comme ça parce que comme je joue beaucoup boîte en hache, des fois je sais pas, les vitesses sautent parce que je suis trop rapide sur l'embrayage ou je sais pas. Mais voilà, je dirais que c'est ça qui est important, hein. Linéarité un petit peu, pour les Logitech en tout cas. Ensuite vibration retour, bon bah moi j'ai une ligne en plus, ici là, que vous avez peut-être pas, c'est parce que j'ai rajouté un truc. Que je vais te montrer après justement. Donc voilà à peu près, ça on s'en fout. Alors si tu le mets à 0, apparemment en fait t'as un trop gros creux au milieu. Tu vois la friction des roues, ce que je te disais, N2 là, toi tu l'as mis à 0. Si c'est trop, t'as un trop gros trou au milieu du volant, en fait tu l'augmentes un petit peu. Mais ça c'est pas réaliste du tout, c'est au niveau de ton volant, faut le virer en gros. Bon, après le reste c'est pratiquement par défaut. Moi j'ai augmenté suspension et le glissement, même si ça c'est grisé, ça fonctionne. Voilà, ça après tu verras, tu le régleras en fonction. Ça c'est ta force. Voilà, cette ligne là, coupe d'alignement. Ensuite, du coup, la partie intéressante, elle est là. Hop, je vais te mettre sur le bureau pour que tu vois le principe. Alors attends, hop, ajouter une capture d'écran. Touc. Voilà. Alors, capture d'écran. Tu vas aller dans ton fichier du jeu. Donc, très simple, clic droit dans Steam, propriété, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. Si tu passes pas par Steam, tu le trouveras de toute façon. Hop. Voilà. Tu as Program File, Steam Library, Steam Apps, Common, Dirt Rally 2. Tu vas dans ton fichier ici. Là, ici, tu vas sur Input, Device, et là, là, ce fichier-là. Tu fais ouvrir avec, tu l'ouvres en bloc-notes. Voilà. Et là, tu vas te retrouver avec ceci. Ça a tout changé. Hein. Au début, j'ai Alt F4 le jeu, j'ai dit c'est bon, ça m'a saoulé, il n'y a aucune force, c'est de la merde. Voilà. Et là, en fait, tu cherches ton volant. Donc ton 920, il est ici normalement. Voilà. Donc en fait, toi, tu vas avoir cette ligne-là. Et en fait, si tu peux regarder, tu vois, sur les autres, ils ont par exemple Official False, ils ont FFB Force, lui il a la friction. Donc, bah, par exemple, tu prends la friction ici, là, hop, tu prends cette ligne, copier, et tu viens la rajouter devant, coller, ici, là. C'est bon, j'ai un espace, voilà. Là, alors beaucoup de tutos te disent de mettre à 5, ça sert à rien de niquer ton moteur, pour aller après mettre le couple d'alignement dans le jeu à 20. Donc ici tu peux te mettre à 3, c'est très bien. Ici tu touches pas. Et ensuite tu rajoutes le Official False. Le Official False va te rajouter la ligne que je t'ai montré que j'ai en plus. Qui apparemment met des trucs en plus. Bon, j'ai pas tant senti la différence, je l'ai quand même mis. Il est où le G920? Hop 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 hop, comme ça je le fais exactement pour te montrer comment tu dois le faire. Un espace. Voilà. Les espaces sont assez importants parce que si tu les as pas,
Voilà, là normalement il y a un espace, tu vois. Ça va tout niquer. Voilà, donc là il y a bien un espace. Ici on a bien un espace. Ici on a bien un espace. Voilà, tu dois rajouter tout ça. N'hésite pas à le clipper si jamais. Hein. Voilà. Une fois que tu vas rajouter ça, tu fais enregistrer. Moi je peux l'enregistrer parce que de toute façon c'est pas grave, ça changera pas grand chose pour mon boulon. C'est pour le tien. Mais voilà, pense juste à rajouter cette ligne. Et là, tu n'as plus qu'à. Hop, je supprime ça. Hop, à retourner dans le jeu. Donc à faire ce que je te disais tout à l'heure. Calibrer l'appareil. Donc ça, tu vas calibrer l'angle de volant que tu as mis dans ton logiciel. Tu mets le même. Et ensuite, tu viens mettre dans les paramètres avancés. Ici, la linéarité en moins 2. Ici, tu laisses 0,100, 0,100. Après, bon, l'embrayage, ça c'est vraiment perso. Moi, j'ai viré là, la zone morte de l'embrayage et j'ai un petit peu abaissé le point maxi. Voilà. Et ensuite, dans vibration et retour, ici, là, tu vas gérer ta force. Voilà. Je sais que sur Dirt Rally 1, j'étais à 150, mais là, tu ne mets pas à 150. Vu qu'on a augmenté les forces de 3, tu vas mollo. Voilà. Friction, 5. Et après, tu peux laisser tout par défaut. Ça en bas, le centre de force de pilotage, moi je le mets pas parce qu'en gros, quand tu sors de la route, j'ai pas besoin que la voiture elle me remette mon volant au milieu. Tu sais à peu près où t'en es, enfin voilà, je me démerde. Le braquage léger, ça tu le mets que seulement si en gros t'es sur 700-900 degrés et que tu veux que le volant s'adapte au véhicule. Moi j'ai mon angle de volant qui est fixe pour tous, peu importe, donc ça je l'ai mis sur 0. Voilà, sinon normalement il doit être sur 100 et tu dois du coup avoir. C'est conseillé plus quand tu es sur 900 degrés. Tu vas régler le volant et le jeu sur 900 degrés. Tu vas te mettre sur braquage léger. Et chaque véhicule va avoir l'angle de volant réaliste. Perso, avec un petit G25, le volant est tout petit. Sur des véhicules où il faut beaucoup tourner, j'ai tendance à avoir le pouce qui vient se coincer et tout. Genre un volant un peu plus grand, je pourrais faire des tours dans tous les sens, mais là, c'est pas possible. Et du coup, pouf. Ouais, Wound, setup, c'est pour les véhicules. Il y en a d'autres qui vont arriver. Sinon, tu peux en voir aussi sur YouTube, mais setup, c'est pour les véhicules. Il y en a d'autres qui vont arriver, il faut que j'en envoie aussi. Voilà. Donc voilà, moi perso, j'ai mon angle de braquage léger, enfin, qui est à 0. Juste que je veux pas que ça me change en fonction des véhicules, quoi. Voilà. Normalement, tu fais ça, Nico. Et tu devrais revenir d'ici 1 heure en faisant bouh, c'est trop bien. Voilà.